Malfougas-Augès est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Malfougas-Augès est Fougasset. Note l'essentiel du territoire de l'ancienne commune d'Augès est actuellement rattaché à celle de Pérouis. Son histoire est traitée ici, mais les monuments qui subsistent sont décrits dans l'article sur Pérouis. Géographie localisation. Carte élémentaire montrant les limites de la commune, les communes voisines, les zones de végétation et les routes Malfougas-Augès et les communes voisines. Le village de Malfougas, situé à 11 km de Lémé et 11 km de Saint-Étienne-les-Orgues, le village se trouve à 700 mètres d'altitude. Son territoire occupant une bande longitudinale sur le versant sud de la montagne de Lure. Les communes voisines de Malfougas-Augès sont, Valbel, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Montfort, Perruy, Montelot, Sigonce, et Cruy. Géologie, massif des Alpes et localisation des Préalpes de Digne, le territoire se situe sur des formations calcaires provençales du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur, roches sédimentaires issues d'un ancien océan alpin entre trois formations géologiques majeures des Alpes, la nappe de Digne à l'est. Au niveau du lobe de Valavoir, il s'agit d'une nappe de charriage, c'est-à-dire d'une dalle épaisse de près de 5000 mètres qui s'est déplacée vers le sud-ouest durant l'Oligocène et la fin de la formation des Alpes. Les lobes, ou écailles, correspondent à la bordure découpée à l'ouest de la nappe, la faille de la Durance au sud-est. Dans la vallée, le plateau de Valensole au sud-est, bassin molassique du Miocène et du Pliocène composé de roches sédimentaires détritiques, dépôts liés à l'érosion des montagnes apparues à l'Oligocène. Relief. Malfougas au Ges occupe les pentes boisées du flanc sud-est de la montagne de l'Ur. Son altitude varie entre 460 et 1545 mètres sur la crête de l'Ur. Sa crête forme la limite nord de la commune. Où elle culmine à 1545 mètres, sans qu'aucun point saillant n'y existe. Les pentes de l'Ur descendent jusqu'à moins de 500 mètres d'altitude. Entre les deux, le village de Malfougas s'est installé sur une rupture de pente, au nord du village, et jusqu'à la crête, deux vastes Punchouns découpent le flanc de la montagne, séparés par des ravins encaissés, en dessous du village. Le relief est formé de collines plus nettement individualisées, dont la principale, le Bondon, atteint 778 mètres. Ces collines sont séparées par des ravins encaissés. Celui du Grand Vala fait plus de 100 mètres de profondeur. Près du village, quelques plans facilitent les cultures. Hydrographie et les eaux souterraines. Malfougas au gès est arrosé par plusieurs cours d'eau, affluents ou sous-affluents de la Durance. Le Grand Vala, dont le cours intermittent dessine une courbe à l'est de Malfougas, et qui devient ensuite le ravin de Mardaric, le ravin du Jade de l'Ami, affluent du Grand Vala, le ravin de la Combe d'Ourcière qui se jette dans le Turon, ces deux torrents formant la limite sud de la commune, ravin du Bouilly, ravin le Beuvon, rivière de 6,9 km, Rio de Sisteron, cours d'eau de 4,4 km. Malfougas-Augès dispose d'une station d'épuration d'une capacité de 400 équivalents habitants. Climat. Article détaillé. Climat des Alpes de Haute-Provence. La station météo la plus proche de Malfougas-Augès est située à Château-Arnoux-Saint-Auban. Environnement. La commune compte 1900 hectares de bois et forêts, soit 96% de sa superficie. Voies de communication et transport. Réseau routier, la commune de Malfougas au GS est desservie par la route départementale RD 101. Celle-ci vient de peru où elle s'embranche sur la RD 4096, ancienne route nationale 96, en empruntant la vallée encaissée du Grand vallat La route départementale RD 951 la rejoint dans cette vallée, passe en bordure du village de Malfougas, et poursuit en direction de l'ouest. Vers Saint-Étienne-les-Orgues, quelques tronçons de routes secondaires desservent les écarts, aucune route n'escalade l'ur dans la commune. Risque majeur. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Saint-Étienne-les-Orgues, auquel appartient Malfougas Augès, est en zone AB, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991. Basé sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste EC8, de 2011, la commune de Malfougas-Augès est également exposée à deux autres risques naturels, feux de forêt, mouvement de terrain, certains versants de la commune sont concernés par un aléa -à moyen à fort. La commune de Malfougas-Augès n'est exposée à aucun des risques d'origine technologique recensés par la préfecture, et aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, le DICRIM n'existe pas non plus. Urbanisme, typologie Malfougas-Augès est une commune rurale, elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. La commune est en outre hors attraction des villes. Occupation des sols. L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européennes d'occupation biophysique des sols, Corinne Land-Cover, CLC, est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels, 93,9% en 2018. Une proportion identique à celle de 1990, 94,1%. La répartition détaillée en 2018 est la suivante forêt, 70,5% milieu à végétation arbustive, et ou, herbacée, 23,3%, zone agricole hétérogène, 4,4%, zone urbanisée, 1,7%, espace ouvert. Sans ou avec peu de végétation, 0,1%. L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l'évolution dans le temps de l'occupation des sols de la commune, ou de territoires à des échelles différentes. Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes. La carte de Cassini, 18e siècle, la carte d'état-major, 1820-1866. Et la période actuelle, 1950 à aujourd'hui. Village. Le village est de type ecclésial. C'est l'église qui a fixé l'habitat autour d'elle. Et les maisons se sont construites autour d'elle. L'église constituant le noyau du village. Actuellement, la plupart des maisons du village sont de construction récente. Toponymie. On ne dispose pas de documents anciens portant le nom populaire exact du village. Les plus anciens documents mentionnent ce nom sous sa forme latinisée, Malafugacia. Ce nom apparaît dans les chartes ecclésiastiques attribuant l'église Saint-Jean-Baptiste ainsi que les églises d'Augès, à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-lès-Avignon. Il s'agit des bulles et privilèges des papes Gélase II, 1118, Innocent II, 1143. Alexandre III, 1178, qui se copie et mentionne toute malafugacia. On ne peut pas toutefois se fier aveuglément à ces chartes, car elles étaient rédigées, souvent sous la dictée, par des scribes qui ne connaissaient pas nécessairement la région, où se situaient les yeux dont ils transcrivaient le nom. La bulle de Gélase II a été rédigée à orange, d'où parfois un certain flottement dans les transcriptions des noms. Une cause fréquente d'erreur en toponymie provient aussi du remplacement d'un mot que l'on ne comprend plus par un autre qui lui ressemble et que l'on sait interpréter. Le phénomène se reproduit à chaque changement de langue dominante. Il est vraisemblable que le nom indiqué dans les chartes qu'une interprétation d'un nom du lieu antérieur. Il s'agit plus vraisemblablement d'une transcription latinisante basée sur une approximation phonétique. Fugacia. Qui à l'époque de la rédaction des chartes, début du XIIe siècle, désignait un lieu sauvage réservé au gros gibier, voire plus bas dans ce texte, a été confondu par la suite avec Focacia plus grand que Fougas, pain cuit sous la cendre. Malafocacia en 1274, cité par Louis Pellou, d'où le nom, peut être ironique, mentionné par le même Pellou pour 1218. Malo tortello égale mauvais gâteau, le dictionnaire du cange, glossarium et e infima latinitati, donne pour fugacia la définition suivante, traduite car le dictionnaire est rédigé en latin, portion de campagne réservée aux cerfs et aux bêtes sauvages, sans aucune clôture, gérée non pas par les lois forestières, mais par ses propres privilèges, terrain de chasse. Ce même dictionnaire donne à l'appui de cette définition un exemple tiré de la charte de Mathilde I, impératrice, par laquelle elle éleva Milon de Gloucester, au rang de comte d'Herford, Je désire que tous les biens susmentionnés qu'il tenait de moi, ils puissent en jouir, librement et paisiblement, dans les bois et dans la plaine, dans les forêts et dans les terrains de chasse, dans les prés et les pâtures, in foresti et fugaci. In Prati et Pasturi. Cette référence donnée par l'ancien mais excellent dictionnaire du Cange, dictionnaire du bas latin et du latin médiéval, est précieuse car l'impératrice Mathilde a vécu de 1102 à 1167, c'est-à-dire exactement à l'époque où les papes Gélase II, Innocent II et Alexandre III faisaient don de l'église de Malfougas à l'abbaye Saint-André de Villeneuve, (charte II, 1118. 1143 et 1178, le sens attribué par le scribe au nom du prieuré était donc « mauvais terrain de chasse au gros gibier ». Rien à voir avec le pain à ce moment-là. La confusion entre fugacia égale terrain de chasse, et focatia égale fugace s'est produite plus tard. Mais cela ne signifie pas que ce sens soit conforme au nom véritable du lieu. La forme Malafugacia est en effet à rapprocher d'une longue série de toponymes provençaux commençant par la même racine ou ses variantes, Man, Mar, etc., Maliger, Malmoisson, Malocène, Malocène, mais aussi Manosque, Man, Mandelieu, etc., Charles Rostin écrit. Le sens généralement admis est montagne, toutes les localités ainsi nommées sont situées dans des régions montagneuses. Le nom de notre village pourrait se rattacher à cette racine, mais dans ce cas il reste à expliquer l'autre composante, de même époque prélatine, qui a été interprétée par le latin fugacia, et faute de documents cette recherche est pour l'heure impossible. Dans quelle langue ce nom a-t-il été créé Un autre rapprochement pourrait se faire avec Malga, toponyme fréquent dans l'Italie alpine. Surtout dans les Dolomites, et qui désigne un territoire d'altitude consacré à l'élevage laitier. Mais là aussi il faut être prudent. Enfin, dernière éventualité, le recours au terme malus, malhomme. À l'époque franque, ce terme désigne un tribunal siégeant en plein air et jugeant des affaires mineures. Il se tenait sur des espaces découverts, au centre des territoires, ou à proximité des grands carrefours. Sous la présidence du comte ou de son représentant. Cette pratique est à l'origine de quelques noms de lieux, Malmort, Lamal, près de Bouc-Belair. Bien que le terroir de Malfougas ne semble pas propice à l'établissement d'un tel tribunal, ce n'est pas non plus une hypothèse à rejeter. Il faudrait cependant en trouver des traces dans les annales, ce qui n'est pas le cas actuellement. De toutes les façons, cela ne pourrait expliquer que le début du nom la fin risque de rester mystérieuse longtemps encore. En conclusion, comme souvent en toponymie, il est difficile de donner avec certitude une explication au nom de notre village. La version que nous donnent les chartes pontificales, malafugacia égale mauvais terrain de chasse, a le mérite de donner un sens plausible, à la différence des explications faisant allusion au pain, mais repose sur l'idée que le terme mala est latin. Ce qui est probablement inexact. Il faudrait disposer de documents plus anciens pour pouvoir formuler une hypothèse acceptable. Ancienne commune. Augès, anciennement de Augeto, 1274. Dalvéa, creux, augmenté du suffixe « ensem ». Consonove signifierait « maison neuve ». Histoire, Antiquité, dans l'Antiquité. Le territoire de Malfougas-Augès fait partie de celui des Sogiontiques, Sogionci, qui peuplent la montagne de Lure, en étant fédérés aux Vaucons. Après la conquête, campagne de 125-124 avant Jésus-Christ, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Vaucons et forme une civita distincte, avec pour capitale ses L'actuel Sisteron. Moyen Âge. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère, en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi de Gondemar III, la régente Ostrogoth, à Malazonte lui rend ce territoire. Au XIIIe siècle, l'abbaye Saint-André de villeneuve lès avignon s'est fortement implantée dans le secteur, possédant simultanément les églises d'Augès, de Consonave et de Malefougas. De la fin du Moyen Âge à la Révolution française, les trois communautés villageoises, Augès, Consonave et Malfougas, relevaient de la viguerie de Forcalquier. Augès. Au XIIe siècle. L'abbaye Saint-André-de-Villeneuve-les-Avignon possédait les deux églises, Haute et Basse, d'Augès, dont le prieuré Saint-Georges d'Augès. Augès est cité dans les chartes sous forme d'un castrum, lieu fortifié, entre 1225 et 1250. Augès compte 62 habitants en 1765. Consonov. Le village le plus ancien serait situé à Consonov. Une motte castrale y est présente dès le XIe siècle, dite Consonavie, à ce moment. Ce castrum s'élevait en limite ouest du territoire actuel de Malfougas-Augès, à 719 mètres d'altitude. Il en subsiste des vestiges permettant d'apprécier sa puissance, pour une fortification de cette époque, mur de 1m40 d'épaisseur, protégeant une plateforme de 250 mètres carrés environ. Et renforcé d'une tour. Cité une unique fois en 1045. Il a pu être construit à la fin du 10 siècle. Centre administratif, probablement situé sur un itinéraire de Sisteron à Apt, c'est Consonov qui concentre la majeure partie de la population du secteur au Moyen Âge, Malfougas et Augès étant des villages secondaires. Au XIIe siècle. L'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignons possédait l'église de Consonove, et en percevait les revenus. Le Seigneur était le comte de Provence, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. En 1296, il cède le droit d'Albergue à l'évêque de Sisteron. Mais dès le XIIIe siècle, c'est l'abbaye de Cruy qui contrôle le territoire. Au siècle suivant, elle possède le Castrum. Tout au long du Moyen-Âge, des conflits opposent l'abbaye propriétaires des forêts, aux cisternais, qui viennent s'y fournir pour leurs différents usages, chauffage, construction, ameublement, etc. En 1266, une sentence limite leur usage à la collecte de bois de chauffage, et quatre gardes sont recrutés pour en surveiller l'application. Les défrichements sont aussi interdits à l'abbaye de Cruy. Finalement, en 1436, les bois de Consonave et de Bois-Crompa sont cédés à Sisteron, tandis que l'abbaye gardait les droits de justice et les terres arables. En 1391 ou 1392, dans le contexte de la guerre de l'Union d'Aix, le castrum de Consonave est détruit, le site est indiqué comme déserté en 1400, et le reste jusqu'à la fin de la guerre de Cent Ans, bien que réoccupé. Il ne retrouve pas son ancienne importance, à la veille des guerres de religion, les fortifications sont toujours en ruine, et seules six granges si fermes sont habitées. Au XVIe siècle, c'est la ville de Sisteron qui est seigneur du lieu. La version sur la situation géographique de Consonov est fortement remise en cause par les documents originaux trouvés par l'association au pied du mur de Malfougasan. En effet, dans un document de 1776 signé au château de Consonov entre Consonov et Malfougas concernant les frais à payer par les habitants de Consonov pour l'entretien de l'église, ces derniers ne participent en rien à l'entretien de l'église de Malfougas. On trouve les noms des signataires au nom de Consonov, nom que l'on retrouve dans les recensements au hameaux de Chapelet, Lagrange et les Buissières. Mais le document le plus intéressant c'est une visite durant trois journées du terroir de Consonov les 6, 7 et 8 novembre 1721 par des estimateurs, à la demande de la marquisanne d'Avesian, représentée par le sieur Giraud-Gaubert, veuve de Jean-Joseph-Antoine de Glandeves en chevalier et marquis de Niozel, seigneur de Pierre-Rue et Consonov ses dépendances et autres places. Ce document retranscrit la visite des estimateurs pour évaluer les dégâts occasionnés par les cochons et les chèvres des habitants de Malfougas dans les chênais de Consonove, dont voici quelques détails, au septentrion la route de Forcalquier assisteront, au Levant la commune de Montfort, au midi la commune d'Augès et au couchant la commune de Malfougas. Les détails de cette visite permettent aussi de situer l'emplacement de l'église de Consonov où il y a une vieille masure qui était autrefois l'église de Consonov. Consonove se situe donc à l'est de Malfougas. -en. Malfougas, la localité de Malfougas appartient au vicomte de Sisteron jusqu'en 1045. La motte est d'abord partagée entre l'abbaye Saint-Victor de Marseille et les chanoines de Fortcalquier, puis est donnée à l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon. 1118. L'abbaye Saint-André-de-Villeneuve-les-Avignon possédait le prieuré Saint-Jean-Baptiste de Malfougas. L'église de Malfougas passe à l'abbaye de Cruy, et enfin, est rattachée avec cette abbaye à l'évêché de Sisteron, qui perçoivent les revenus attachés à cette église. La communauté de Malfougas est complètement inhabitée au XVe siècle, et le village recréé dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Période contemporaine. Monument aux morts de la Première Guerre mondiale, dans l'escalier derrière l'église. En 1807, le village de Consonov, huit bastides habitées en 1698 et 56 habitants en 1806, est rattaché à Malefougasan. Une placette derrière l'église en perpétue le souvenir. Le coup d'État du 2 décembre 1851, commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses Alpes, en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 22 habitants de Malfougas se sont traduits devant la commission mixte, la majorité étant condamnée à la déportation en Algérie. Comme de nombreuses communes du département, Malfougas se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. Aucune instruction n'est donnée aux filles, ni la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Dury, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concerne mal Fougas. Et ce n'est qu'avec les lois ferries que les filles de Saint-Lyon sont régulièrement scolarisées. Quant à Augès, la commune n'ouvre d'école qu'avec les lois Ferry. Jusqu'au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée dans les communes de Malfougas et d'Augès. Le vin produit, de qualité fort médiocre, était destiné à l'autoconsommation. Cette culture est aujourd'hui abandonnée. De la même façon, la culture de l'olivier. Pratiquée sur de petites surfaces au XIXe siècle, jusqu'à l'altitude de 600 mètres, exceptionnellement jusqu'à 700 mètres, a aujourd'hui disparu. En 1973, la commune d'Augès en voie de désertification fusionne avec Malfougas, la nouvelle commune prenant le nom de malfougas augès cependant, répondant au désir des propriétaires des terrains, la plus grande partie du territoire de la commune dont l'ancien chef-lieu est rattaché à Perruy en 1975. Malfougas-Augès ne conservant finalement que 111 hectares de l'ancienne commune dont elle porte le nom, située dans le ravin des Gachènes. Malfougas-Augès fait partie, de 2001 à 2017, de la communauté de communes de la moyenne durance, depuis le 1er janvier 2017, de la communauté d'agglomération Provence-Alpes. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1765. À partir de 2006, les populations légales des communes sont publiées annuellement par l'INSEE. Le recensement repose désormais sur une collecte d'informations annuelles, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de 5 ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008. En 2019, la commune comptait 322 habitants. En augmentation de 3,87% par rapport à 2013. Pour mémoire, les Alpes de Haute-Provence, plus 1,48%, la France, hors Mayotte, plus 2,17%. Lieux, et monuments remarquables. L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste est un rare spécimen du premier art roman provençal, dont quelques parties ont été conservées. Elle est peut-être construite à l'initiative des moines de Saint-André d'Avignon, sur plan basilical. Par comparaison avec la chapelle Saint-Donat de Montfort, et malgré les changements importants opérés au XVIIe siècle, elle peut être datée du milieu du XIe siècle. Elle recèle de très belles fresques du XVIIe siècle, cachées sous des peintures du XIXe siècle. Les absidioles. Minuscules. Sont reliés à la nef par des trois passages voûtés. Son clocher roman est inscrit depuis 1997 sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'église est proche du château de Consonov, ou Consonave, qui date des 17e et 18e siècles. Il est construit sur l'emplacement d'une motte castrale datant du début du 11e siècle. Le bâtiment actuel date de 1551. L'into d'une porte latérale, mais a subi des travaux conséquents au XVIIIe siècle. La façade compte un étage et un pignon, en bel appareillage de pierres plates. La terrasse permet d'admirer la vallée de la Durance et les pénitents d'aimer, la plaque commémorative, monument aux morts de la première guerre mondiale, dans l'escalier derrière l'église.